Janus Cécildor, comte de Singrad, il règne depuis de nombreuses années et est réputé pour être un grand barbare. J'étais en quête d'un cheval. C'était pas 1500, mais 2500 pièces d'or. Oui, c'est en bas de
ça se passe pour la vache, c'est une auberge sur plusieurs étages. Oh, je m'assois, pardon. Bonsoir. Oh, bonsoir, quel périple horrible je viens de vivre. Je suis Mogra Mogak, la propriétaire de l'hôtel des deux sœurs. Cet établissement nous appartient à ma sœur et à moi. Les deux sœurs, vous comprenez? Il vous faut une chambre, un bon repas. Tu as des petits yeux. C'est bizarre pour une orque. Mais bon. Fâche-moi un lit, s'il vous plaît. Vous avez besoin d'un endroit où vous reposer? Je peux vous louer une chambre pour 10 pièces d'or la nuit. Avec grand plaisir. Très bien. Elle est à l'étage. C'est la chambre au bout du couloir, à gauche. Sur votre droite, quand vous franchissez la porte. Amusez-vous bien. Oula, j'ai pas tout compris. Je n'ai plus rien à vous dire. Oh, très accueillante, la madame. Merde, comment je sors du bordel, moi? Ah, je vais me lever du... Merde, mais il y avait de la super glue sur le tabouret, là, c'est pas possible. Ah, je vais sortir, au secours. Mais non, je vais pas attendre sur le tabouret, je viens de payer pour une chambre. Mais qui est con, ce con? Mais non! Mais je ne suis pas une... Irritante créature. Pardon? Mais je vais finir par regretter d'avoir payé ma chambre ici. Mais bouge tes fesses, J'ai oublié son prénom, merde. L'héroïne, elle s'appelle Gwendoline. Voilà, ça me revient. Mais Ah! Dur. Ça y est, j'ai déjà pu. Après un tel accueil, là, dis donc. Non, mais c'est pas clair, votre hôtel, là, quoi. Okay. Oui, j'aime bien porte renforcée. Alors, au fond, à gauche, c'est ça? C'est ça. C'est pas indiqué en rouge, donc j'ai le droit de dormir dans ce... Wow, c'est stylé en turquoise, la lumière. Putain, j'aime bien. Ça me paraît bien d'avoir une chambre... avec une lumière d'ambiance extérieure en turquoise. Oh la vache! La charpente, toi. Putain, mais il y a des trucs à suspendre en charpente, c'est obligé. Oh, bonjour les étoiles. Oui, de dos. Oh là là, il est 2h du matin. Allez, au dos de 6h, c'est bien mérité. Après tout ce que j'ai vécu comme aventure. Un bon lit douillet. Oh! Ah oui, tout est calme et velouté. Ah, je me sens mieux. J'ai tué des adversaires autrement plus impressionnants que vous. Oui. Je suis Mogra Mogak, la propriétaire de l'hôtel des deux sœurs. Cet établissement nous appartient à ma sœur et à moi. Les deux sœurs, vous comprenez? Il vous faut une chambre, un bon repas. Je sais pas quoi répondre. Ugagra Moga? Ma sœur, Ugagra Mogak. Dirige l'écurie du col plaisant. De nous deux, elle est la plus calme. Moi, je suis la pipelette. Ok. Des choses à vendre? Regardez ce que j'ai à vendre. Il y a forcément quelque chose qui vous plaira. Ah ah. Elle a cette voix de fou. Oh mon dieu. Ah, c'est dommage qu'elle pèse aussi lourd la pastèque, j'aurais pas dit non. Pardon. Oh là là là. Oh là 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 là. Oh là là. De la bière. C'est ça la bière de Londres à Berlin. Oh là là.
assez parlé. Ouais, à bientôt. Oh, elle l'avait. Merde, elle était où la sortie de ton... Ah, ouais, c'était là, je crois. Ah, merde, c'est sa cave. Putain, mais il est trop bizarre, son établissement. En fait, elle reçoit un sous-sol qui est... Putain, c'est trop bizarre comme établissement. Ah oui, c'est vraiment bizarre son établissement. Oui, c'est vrai que j'ai monté l'escalier. Ouais. Où est la rambarde? Oh mon dieu. Ah. Je vous salue. Moi aussi, monsieur. Y a-t-il un problème, citoyen? Non, mais pour bavarder un peu, des rumeurs. Ambroise Kahn m'a beaucoup appris sur l'utilisation du bouclier. Ce n'était pas donné. Mais ça en valait la peine. Ah. Ok, merci. Au revoir. Au revoir. Excusez, moi, je baille. Finalement, si la fatigue me rattrape, je ne peux pas jouer pendant 3 heures. Psst, pas grave, je... Par ici. Oui, vous. Il faut qu'on parle. Pardon. On ne peut pas parler ici. Trop fréquenté. Retrouvez-moi derrière la grande chapelle à minuit. Faites attention que personne ne vous suive. Vous ne le regretterez pas. Pardon. Excuse-moi, mais à minuit, je serai peut-être ailleurs, hein, mon grand. Donc, c'est vraiment si je devais m'ennuyer que je te rejoindrais derrière l'église. J'ai pas arrêté de bailler. Ah ouais, c'est l'arrière-cour. Salutations. Bien, bonjour. C'est la garde, c'est pas du tout. C'est le quartier résidentiel. Oh non. Mais oui, mais j'ai des choses à vendre en plus. Alors. Oh, mais...
Ah, ben voilà. Demandez un forgeron. Bonjour. Si fort, s'il vous plaît. J'ai affreusement mal au crâne. Je suis Agnette, le forgeron. On me surnomme la poivrotte. En ce moment, je regrette de ne pas avoir bu. Ah. Glatir ? Il y a certaines choses qu'on ne peut partager qu'avec ses amis. Je comprends. Je ne vois pas l'intérêt de vous promener avec des objets cassés. Oui, c'est pour ça que je viens te voir, ma grande. Armes, armure, j'ai tout ce qu'il vous faut. Que puis-je pour vous? Je fais toujours des bons prix à mes bons clients. Vous avez fait... Je fais toujours des bons prix à mes bons clients. Oui. Alors... Ah oui, des marteaux, il faut peut-être que j'apprenne à... Oh, je sais pas. Non, vu le prix, c'est... Ouais. Vaut mieux que je trouve des marteaux spontanément, que je m'en serve, que les acheter, ça vaut pas le coup. Merci. Vous êtes ici chez vous. Oh, merci, c'est gentil. Des rumeurs? J'ai l'impression que l'artire traverse encore une mauvaise passe en ce moment. Vous avez remarqué? Bof, j'ai pas spécialement fait gaffe. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Moi, je me nomme Falanou, de la maison Lalou. Comme si cela avait la moindre importance ici. Elle est marrante. Ah, tu connais peut-être le Nénroot? Je ne sais pas. Je n'avais jamais vu ce type de racine auparavant. Oh. Allez à l'auberge du Veld Occidental et parlez à Sindarion. Je suis sûr qu'il pourra l'identifier pour vous. Des rumeurs, peut-être? J'adore passer devant la boulangerie de Salmo. L'odeur de son pain en train de cuire est vraiment délicieuse. J'offre les meilleurs produits de tout Cyrodiil, aux prix les plus compétitifs.
ça coûte cher. Oh là 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 là, 65 pièces d'or là. La potion. Dur. Dur, dur, dur. Oh là 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 là, il y a de ces trucs. Ah oui, lumière sur 40 pieds. Ah, pour 3 minutes. Oh, ça coûte cher. Oh là 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 là. Oh punaise. Quand je maîtriserai la chimie, je vais me faire un pognon. Ah, elle le vend 27 la bille de lutin. Attends, je peux lui vendre moi. Je peux lui vendre. Oh 7, oh la vache. Je sais pas, attends, je vais voir ce qu'elle a à me proposer là. Quoi? Bâtonnet de Spidal? C'est limite s'il proposait pas des bâtonnets de poisson là. Du capitaine Igloo. Attends, c'est intéressant parce que moi je peux comparer ce que j'ai moi. Résistance à la... Ah, la vision nocturne. C'est intéressant, des potions de vision nocturne. Et guérison de la paralysie. Vision nocturne et guérison de la paralysie. Ah, bah oui, bah non, c'est ce que j'ai. Con. Ah, la carotte, intéressant. La carotte fait la vision nocturne, disons. Voilà, c'est passionnant. Ouais, résistance à la paralysie. Mais... Non, bah, je vais prendre les carottes, ça fera. Je vais pouvoir faire de la potion de. Je vais pouvoir essayer. Merci. Vous êtes ici chez vous. Yep. Bonjour. Bonjour, c'est la boule qui frappe à ta porte. Ah. Ah merde, j'ai confondu. Oh que je suis mauvais. Voilà. Ah, pas mal. Ouais, ça propose rien d'autre, hein, c'est dommage. J'ai
J'ai rien pour le regain de magie. Ah, je suis deg. Regain de magie. Il faudra quelque chose en regain de magie. Moi ? Oui, je sais, je sais. Toi. J'offre les meilleurs produits de tout Cyrodiil, au prix les plus compétitifs. Alors, l'ingrédient regain de magie. Regain de magie. Ah ! Ah bah c'est ce que j'ai, merde. Ah ! Tiens, tiens. Ouais. Regain de magie. Dalali luli. Di du di du di. Regain de magie. On a eu plus passionnant. Prends-toi ça dans les dents. Je sais plus quoi dire. Ah, j'aime faire affaire avec vous. Ah, y'a ma toile que j'ai pris. Non, je ne sais plus, je dis n'importe quoi. Prenez soin de vous. Ah, toi aussi, ma grande. Ah, 6 points. Donc, si je suis pas mauvais. Ah oui! Mais elle est vachement bien, ma potion. Lentement, je récupère à mort la magie. Putain, faut que je retienne la recette, là. C'est du bon, là. C'est cool. Vision, je peux aider la vision. Au revoir, ma grande, merci pour tout. Merci pour tout, j'ai ma enfouie. Ah, c'est quoi ça, c'est public? Ah non, c'est pas public. C'est public. Oh, attends, je crois que ce miséreux est sans dessous. J'ai tellement faim. Prends une pièce. Merci, chère madame. Quand on cherche du travail, la guilde des guerriers, c'est pas un mauvais choix. Je me suis laissé dire qu'elle était toujours à la recherche de nouvelles recrues. Akatosh vous bénisse. Et toi aussi. Ah, marchand colonien. Je veux voir ce qu'il a proposé après tout. Bienvenue chez les marchands coloviens, où vous trouverez le meilleur choix de Skingrad. Je suis Gunder. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, il suffit de demander. Faisons affaire. Affaire. Bizarre la manière dont il le dit. La 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 la. Oh, chaussures galon d'or. Évidemment, c'est les plus chers. Quoi, gilet du barde. Oh. Putain, la tunique en lin bordeaux, ça m'intéresse. Ah, j'en veux une, s'il vous plaît. Ah oui. Améliorer un peu ma garde-robe et puis je craque pour les chaussures en or là. Ah ouais, stylé. Oh là là. Cool. Ah. Oh. Il y a des carottes lui aussi, je lui achète les carottes. J'ai une affaire. Y'a rien pour...
rien de magique. Ah, dommage. Oh, ils vendent des livres aussi. Oh. Tactique d'unité mixte. Oh. Ah, je veux bien jeter la gemme. C'est une affaire. Oui, c'est une affaire. Non, je vais accrocher. Ah, lui aussi, ils vend des... Oh, une poule de lion. Blablabla. Ok. Alors, moi, je peux te vendre. Bon, ça, je vais le garder, on sait jamais. Alors, ça peut être pratique. Oui, ça peut être pratique, je dis ça. Oui, ça, je te le vends, ça, c'est nul. Voir. Ok. En alchimie. Non, bah j'ai pas de... Ah, ça pèse quand même, hein, les... Ah, la vache. Ouais. C'est une bonne transaction. Oui. Bah, écoute, je vais t'en vendre une vingtaine. Ouais, ça prend du poids pour pas grand chose. Ah, que dire, que faire? Les amulettes, non, je vais garder parce que ça, je vais pouvoir les faire des enchantements plus tard avec. Oui, bah je t'en vends une. Oui, non, c'est bon. Eh ben, c'est cool. C'est un plaisir de vous compter parmi mes clients. Oh là là. J'irai presque à bientôt. Rougir. Merci. Alors, madame, vous boudez? Que voulez-vous? Bonjour, madame. Des rumeurs? Cette Else Aïdieu est vraiment très aigrie. Elle manie très bien l'épée, mais elle en veut à mort à l'église. Ouais. Encore des histoires à la noix. Adieu. Adieu. Je me retourne les pas. Oh. C'est quoi ça? Ah, guide de démarche. Il faut que j'aille absolument demander. C'est. Qu'y a-t-il? Qui êtes-vous? Oh, quelle importance de toute façon. Je m'appelle Drudja. Désirez-vous quelque chose? Ou êtes-vous juste là pour pratiquer votre sirop d'ilic? Recommandation, je vous prie. Oh non, c'est le travail d'Adrienne, pas le mien. Si vous lui posez la question, ne soyez pas surpris si elle prend la mouche. Elle n'aime pas être dérangée. Ah, tu vends des trucs? Puis-je vous montrer la qualité de mes marchandises? Ah, mais avec grand plaisir. Oh, capture d'âme, putain, faut que je le maîtrise, ça. Ah, oui. Ah, ça coûte cher, mais oui. Oui. Oh là là. Oh. Ah, ça peut être intéressant ça, la télékinésie. Sur 10 pieds pour 20 secondes. Ah. J'ai envie de le prendre, la manipulation à distance. Ah ouais, ça m'intéresse. Oh, j'ai un peu de fric, j'en profite là. Ouverture de série. Ouverture de série. Non, c'est une option, faut payer plus cher. De serrure, oh le con. C'est un plaisir de pouvoir vous servir. Arrête de me parler comme ça. Ça me fait des choses. Des rumeurs.
La nécromancie a été bannie à la guilde des mages, et celle-ci refuse tout contact avec les personnes qui la pratiquent ouvertement. Au revoir. Quelle excellente journée. Salutations. C'est moi ou est-ce que c'est plus calme depuis qu'Hertor a disparu? Oui. J'ai acheté pas mal de choses à la boutique des marchands coloviens. Et Gunder est très sympathique. Marchand colovien est une très bonne boutique. Oui. Peut-être que j'irai bientôt voir Gunder. Gundena Auretti a de très belles tomates. À la revoyure. Sans doute parmi les plus belles de Cyrodiil. Je ne peux pas dire que j'aime Salutations, les tomates. Salutations, prestidigitateur. Cela étant, je suis persuadé que ces Gundena sont bonnes. Fantastique. Merci d'avoir posé la question. Moi? Oui, excellent. Prenez soin de vous. Comment allez-vous? Bonjour, associé. Toute une ville est sans dessus-dessous. Vous avez besoin de moi? C'est sûr? Je m'appelle Vig. Je fais partie de la guilde des mages. Mais je ne propose pas de formation ni quoi que ce soit d'autre. Oui, mais j'ai envie de faire connaissance, mon grand. J'ai failli dire mon gros. Des rumeurs. La guilde des mages fonctionne comme avant. Mais elle a perdu pas mal de membres lorsque la nécromancie a été interdite. Oui, j'avais cru comprendre. Recommandation, je vous prie. Adrienne est la responsable. Et c'est à elle que vous devrez vous adresser à ce sujet, si vous parvenez à l'arracher à son dernier livre. Oui, j'y arriverai bien. Ah, que proposes-tu? Faisons affaire. Mais il est de haut niveau, ce monsieur. Il va me faire la leçon. Bon, il a dit qu'il proposait pas de formation, mais... Oh, ce niveau de fou. Oh là là. Oh là 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 là. Waouh. Ok. Putain, mais le mec, c'est un dieu vivant, là. J'ai hâte d'avoir ce niveau. Je vais m'éclater si j'arrive à l'atteindre. Faites toujours en sorte que votre équipement magique soit chargé. Ah, 170 pièces pour recharger à moitié mon épée. Mais non. Mais c'est trop cher. 70 à la limite, oui, je veux bien, mais pas 170. Mais c'est hors de prix, mais il est fou. Je vais maîtriser l'enchantement, oui. À bientôt. Adieu. J'ose penser que vous avez une bonne raison de m'interrompre. Mais parfaitement, madame. L'université Arcane, s'il vous plaît, parlez-moi-en. C'est le siège de la guilde des mages depuis les temps immémoriaux. Si vous voyez la bibliothèque. À mon avis, c'est le seul endroit de la cité impériale qui vaille la peine d'être visité. Je m'y rends uniquement lorsque je n'arrive pas à trouver un livre spécifique ici. La guilde des mages s'est fait pas mal d'ennemis depuis que la nécromancie a été bannie. Recommandation, je vous prie. J'ai bien peur de n'avoir pas beaucoup pensé à ça. Je suis plutôt occupée, vous comprenez. Mes recherches occupent la majeure partie de mes journées. Maintenant que j'y pense, j'ai en effet un petit problème concernant Hertor. Il est l'un des mages de la guilde ici. Pensez-vous pouvoir faire quelque chose à ce sujet ? Bien sûr, mais il faudrait me préciser ce que je dois faire à son encontre. Excellent. Je n'ai pas le temps de le chercher à nouveau, mais je dois le voir à propos de notes qu'il a empruntées. Vous devriez peut-être demander autour de vous et voir si quelqu'un peut vous aider. Faites-moi savoir quand il sera de retour, et je vous donnerai cette recommandation. Merci bien. Dites à Hertor de venir me voir à son retour, oui. Associé. Avez-vous parlé à Adrienne? Vous avez besoin de moi? C'est sûr. Je m'appelle Vig. Je fais partie de la guilde des mages. Mais je ne propose pas de formation ni quoi que ce soit d'autre. On ne l'a pas vu depuis quelque temps. Hertor? J'ai supposé qu'il était toujours dans la grotte des plats désolés, où il vit en général. Ah, merci. Elle est où cette grotte? Je ne me souviens pas où c'est, sincèrement.
Je sais que c'est à l'ouest de Skingrad. Druja pourrait sans doute vous le dire. Sa mémoire est meilleure que la mienne. Ok, merci. Mais c'est cool, ça. Si, au revoir. En fait. Mais je ne crois pas qu'elle ait fait attention. Au revoir. Prenez soin de vous. Salutations, apprenti. Je ne voudrais pas d'un majordome or. Mais cela ne dérange pas le comte, apparemment. Shumgru Yaruk est là depuis des années. C'est plutôt bizarre. Mais le château de Skingrad est un lieu étrange, de toute façon. Très bien. Où est Hertor? Je ne l'ai pas vu dernièrement. Voilà, bonne question. Il doit encore se trouver dans la grotte. Cela fait longtemps qu'Adrienne ne le laisse plus travailler ici. À bientôt. Oui? La grotte des plats... Désolé. C'est juste au nord-ouest de Skingrad. Ici, vous voyez sur la carte? Merci. C'est là que s'est retrouvé Hertor, après qu'Adrienne lui ait annoncé qu'il ne pouvait plus pratiquer dans la guilde locale. Elle ne s'en souvient probablement plus. Vous devriez peut-être faire en sorte qu'elle s'en souvienne. En particulier le fait que c'était son idée à elle. Mmh. Ouais, d'accord, ok. Mais je vais aller rendre visite à l'intéressé, de toute façon. Faut que j'aille visiter la région. Mmh. C'est cool, merci, à plus. Bonne chance pour trouver Hertor. Oui, merci. J'ai entendu dire qu'Adrienne vous avait confié une tâche pas des plus faciles. Oui, bonjour. Des rumeurs peut-être ? La nécromancie est légale à Cyrodiil, mais peu de gens admettront qu'ils la pratiquent, maintenant que la guilde des mages l'a interdite. Bah oui. Oui, donc le fameux Hertor. J'aimerais en savoir plus, je vous prie. Un type plutôt sympathique, j'imagine. Ah, mais n'oublions pas cet horrible incident de bâclage l'année dernière. Pardon. C'est alors qu'Adrienne lui a annoncé qu'il devait aller pratiquer ailleurs. Ailleurs, voulant dire bien plus loin. C'est ainsi qu'il s'est installé dans la grotte des Plats Désolés. Il effectuait tout son travail là-bas et revenait en ville deux fois par semaine pour faire le point. On ne l'a pas revu ces derniers temps, toutefois. Oui, bah je vais partir à sa rencontre dans le lieu dit. Merci. À plus. Je suis ici pour vous aider si vous avez besoin de moi. Ah, je reviendrai avec mon plaisir. Bon, bah voilà, c'est pas bon pour rien. Salutations. Bonjour, bonjour. Alors, il y avait quelqu'un dans une auberge, je sais plus quoi, qui pourrait me l'enseigner sur la ligne route. C'était... Qui c'est qui m'avait dit ça, déjà? Oui. Allez voir Sindarion à Skingrad. Je suis à Skingrad, non? Je ne sais plus. Oui, je suis à Skingrad. Donc il faut que je parle à Sindarion. Sindarion. Mais où? Bon après-midi. Ok. L'autre il m'a mis un vent. Oh la vache, ça fait plaisir. Mais comment il s'appelle le mec? Oh là, faut que j'y arrive. Sindarion. Comment allez-vous? Bien. Ne soyez pas timide. Oui. Rejoignez-nous et faites carrière en faisant le bien. Pardon. Ah, la guilde des guerriers, je m'en fous complètement, pardon. Une rumeur. Tout le monde parle du meurtre de l'empereur. Nous n'avons plus d'empereur, ni d'héritier. Cela ne s'est jamais produit auparavant. Il est normal que tout le monde soit inquiet. Prenez soin de vous. Ah ben voilà. Mais ça manque de lumière chez vous. On voit que puis. Bienvenue à l'auberge du Veld Occidental. Je suis Erina Geranus, la propriétaire des lieux. Si vous souhaitez manger ou louer une chambre, venez me trouver. Oui, merci, bonjour. Je cherche quelqu'un et je peux pas vous poser la question. Oh merde.
Oh, Prout. Prout, voilà des rumeurs. Tout le monde parle du meurtre de l'empereur. Nous n'avons plus d'empereur ni d'héritier. Cela ne s'est jamais produit auparavant. Il est normal que tout le monde soit inquiet. Oui, d'accord, d'accord. Chose à vendre. J'offre les meilleurs produits de tout sirop d'île, au prix les plus compétitifs. Des carottes en plus. Merveilleux. J'aime faire affaire avec vous. Bonjour. Bonjour. Avez-vous vu Hertor en ville récemment? Certainement pas. Oh là là. Au revoir. Oh la vache! Oh, elle donne pas envie de papoter, elle. Waouh. Merde, il est où mon spécialiste en racines, là, le lien de route? Merde, j'ai pas retenu, en plus, on m'a dit où est-ce que je peux le trouver, déjà. Une taverne, je crois. Ça, c'est la guilde des mages. Par l'os et par l'épée. Parlez-moi. Mais qu'est-ce qu'il y a, Jésus? Que voulez-vous? Eh ben, tu voulais pas que je te parle? Quand on cherche du travail, la guilde des guerriers, ce n'est pas un mauvais choix. Je me suis laissé dire qu'elle était toujours à la recherche de nouvelles recrues. Oui, tu m'étonnes. Bon, bonjour de 109. Bien le bonjour. Oui, bien le bonsoir aussi. Bon, yeah, allez hop. Oh là là, il est tout seul. Bien joué. Attends, c'est quoi le jeu? Ah, c'est des cibles en train de... Ah, attends, une taverne. Non, là, c'est que les commerçants. Ça, c'est privé. Oui, enfin, c'est bon. Pardon. Une enseigne. Aïe. J'essaie d'économiser pour pouvoir acheter mon remède. Oh, mon pauvre. Tiens. Merci, chère madame. Peut-être une rumeur? Tout Anneville est sans dessus-dessous. D'abord la chapelle attaquée, et maintenant, les extravagances du prophète sur la fin du monde. Ah. Pas plus. Arqué vous bénisse. Oui, oui. Que je bénisse. Bon, bah, je cherche une taverne, et je la trouve pas. Bon, je cours un peu, là. Oh, merde! Excusez-moi. Comment allez-vous? Oh, je vais... à vive allure. Ça, c'est vachement haut comme structure, c'est quoi? Là, c'est la rue principale, t'as des talents là-dedans. Ah oui, c'est eux, leur château est en hauteur, un truc de fou. Et oui, c'est vrai. Dans ma toute première partie, il y a des années, j'avais brièvement visité. Oh! C'est original. D'artisanat. Salut! Ben, c'est des mois. Maison. Non, ça c'est le boulanger. J'étais arrivé par là. Elle est où la taverne? Merdôme. Pardon. Pas le temps de parler. Ah, c'est toi de ma bouche. Ben, je te verrai un autre jour. Hein. Oh, je suis déception. Bon, je repasserai un autre jour, tant pis. Allez hop, là je me barre. En route pour l'aventure.
fait pas nuit. J'en profite pour mettre mon nez dehors. Ah, il y a plus de moyens pour acheter un cheval. J'ai quoi, j'ai pas 2500, mais presque. Les prix sont peut-être pas les mêmes. À 2000, je peux peut-être avoir un cheval. Hein. Vous voulez un cheval? Je peux vous en vendre un. Il n'y a pas de plus beau alezan que ceux vendus par l'écurie du col plaisant. 2000. Des rumeurs peut-être d'abord. J'en ai vraiment assez de Sir Lazare. Il se croit assez supérieur au reste du monde. Ah. J'espère que c'est pas plus de 2000. Nos alezans sont plus rapides que les chevaux tachetés et plus robustes que les chevaux bais. Vous serez fier d'être propriétaire d'un tel cheval. Oh, 1000 pièces d'or? Putain, l'autre, il vendait 2500, je fais une affaire. Ah oui, j'achète. C'est un plaisir de faire des affaires avec vous. Tilmo attend dehors avec votre cheval. Oh, merci bien, madame. Oh, mon premier cheval. Je suis en joie. Il est où? Mais non, ça, c'est le cheval de... Tilmo, là. Ah, il est là peut-être. Ah, je suis perdu là en bas. Oh, mon cheval bai. Comment ça bai? T'appelles bai? Oh, cet œil. Oh, il est trop grand. Oh, merde, le temps arrive. Merde, la poste. Ah oui! Cheval. Ah, super mon aventure. Ah, c'est beau. Ah, je joue même pas, je suis pas dessus. Ah oui, magnifique. Ah, je pensais que j'allais passer mon stack. Ah bah c'est toi. Rayman Brother. Archer à la retraite et viticulteur pour les surilis. C'est à bon, votre ouais. Service. Cherchez-vous une formation avancée? Non, pas du tout. Mais... Je ne suis pas du genre à dire du mal des gens, mais il est très étrange. Mais tout le monde tolère ses excentricités en ville. Ah, bon, merci. Bonne journée. À bientôt. Je suis Tamika. Nous faisons pousser du raisin ici et nous produisons des vins de grande qualité. À mon avis, il faut s'attendre à des temps difficiles. La mort d'Uriel Septime et de ses héritiers change tout. Lâche-moi la grappe. Au revoir. Bonjour. Je suis Gaston Surilli. Vous avez peut-être fait la connaissance de mon frère David. Nous sommes les propriétaires de l'exploitation viticole Surilli. Ah, le fameux vin de Surilli. D'accord. Un des plus cassés que j'avais vu. Quand on cherche du travail, la guilde des guerriers, c'est pas un mauvais choix. Je me suis laissé dire qu'elle était toujours à la recherche de nouvelles recrues. Adieu. Alors, où vais-je aller? Je suis vraiment ému d'avoir mon premier cheval. Ah, la grotte de la piscine. Ah, c'est intéressant. Non, je vais piquer au galop là, parce que le cheval est trop poussé.
Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, salope. Oh, comment tu es? Je vais faire le sort de lumière. Non, pas ça. Voilà. Là, je vais rien faire. Ah, c'est pas... Non, c'est pas... sort d'ailleurs. Je crois que peut-être bien de maîtriser le... Attends, je comprends pas là. La capture d'âme, je la fais comment? Je l'ai pas apprise? C'est moi qui suis stupide.
dame. Ouais, je mets en 4. Ah ouais. Ah, manipulation à distance aussi, ça peut être intéressant. Ah, la torche. Ah oui, non, c'est boule de feu, ouais, c'est pas dans le sens... Ah oui, il y a des trucs... Oui, mais c'est ce que j'ai fait en 1, c'est ça, ouais. Oui, après, non, c'est bien, c'est cool. Pourquoi c'est indiqué en orange? Putain, c'était trop flippant que ce soit indiqué en orange. Ah, c'était pour le contraste avec les couleurs, je crois. C'est parce que j'avais lancé le sort de... Carte locale, ça donne quoi? Ouais, c'est bizarre. Mais non, mais c'est pas ça que je voulais faire. Comment perdre de la magie pour rien? Je reviens au... voilà. Je reprends le bon sort.
char d'assaut sur pattes. Un peu d'alchimie, ça va me détendre. Regain de santé, j'ai pas. Oh là, regain de magie, si seulement. Ah bah voilà. Ça, c'est bien ça. Regain de santé. Ah, regain de force. Non, c'est pas ça que je vais faire. Dégâts intelligence. Non. Il est fou. Les feuilles de prime vert, je peux en faire quoi? Oui, pourquoi pas. Toujours cette prise. Et là vient le Dura. Ah, réduction de fatigue, attends. Réduction de fatigue. Voilà qui est fait. Ils sont balèzes à éliminer, j'en reviens pas. Ah, la dague, ouais, je ferai plus de dégâts avec la dague en fait. Tout compte fait. J'ai bien fait de la garder, la dague. Où est-ce que je cours? Alors, il est où l'intéressé? Non, c'est pas l'intéressé. Mais, non, là, c'est...
Attention! Je crois que nous avons un problème. Le premier, que j'ai pas le niveau. Et le deuxième, lui non plus. Ah la vache. Non, je jouerai pas 3 heures. J'ai la fatigue qui me rattrape. Je continue encore une petite demi-heure et à mon avis je vais me coucher. Ah là 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 là. Merde, il faudra que je revienne plus tard quand je serai plus fort. Ouais, je vais rentrer en ville et puis je vais aller voir le mec qui analyse les racines. Oh, bonjour. Elle a l'air déçue que ce soit moi. Non mais dis donc. Qu'y a-t-il ? Ben, j'aimerais une chambre, s'il te plaît, Donas. Le lit est confortable, n'est-ce pas ? Oh oui. Taisez-vous. Mais elle est terrible.
je vais dormir 8 heures. Bonne nuit de sommeil, ça fait du bien. Mon petit doigt m'a dit qu'en ville, vous vous êtes renseigné sur Glartir, notre résident excentrique. J'aimerais savoir pourquoi. Il m'a fait peur, ce con. Comment qu'il m'a cueilli au petit matin au pied de mon lit. Ah, il m'a demandé de l'aider. Laissez-moi vous donner un conseil. Glartir est fou. Jusqu'à présent, fou inoffensif. Mais je garde un œil sur lui, parce que c'est mon boulot. Il ne faut pas le fréquenter. Je me fiche de savoir combien il vous paie, ça n'en vaut pas la peine. Comme je l'ai dit, il est fou. Comme vous avez été assez courtois pour me dire la vérité, je vous rendrai l'appareil en vous laissant en toute confiance parler à un garde s'il vous demande de faire quelque chose de bizarre. D'être cueilli au petit matin après ce que j'ai dit en plus. Bonsoir. Que puis-je pour vous? Oui, t'es qui en fait toi? Des rumeurs? Milona Umbranox, Ariana Valga et Narina Carvain dirigent parfaitement leurs comtés respectifs, sans l'assistance d'un homme. Oui. Ah, de la tire. Vous avez quelque chose à me dire au sujet de ce cinglé? Il faut l'arrêter. Pourquoi? Qu'a-t-il fait? Oubliez ça. Comme vous voudrez. Adieu. Adieu. Alors, l'expert en in-route, il est où? Ah, il est dans cette auberge. D'accord. D'accord. Un peu par là. Au-delà du...
Ah, je vais attendre dans le hall d'accueil. Bonjour, ô elfe. Bonjour. Je veux m'asseoir. Hein. Enfin, si je peux. M'asseoir à cette table. Ah. D'ailleurs, j'ai changé de tenue. Excusez-moi du peu. Je vais faire mon alchimie. C'est bien. Peut-être attendre deux petites heures. C'est du bien de se reposer un peu. C'est vous. Salut. Oui, salut. Bienvenue à l'auberge du Veld Occidental. Je suis Erina Geranus, la propriétaire des lieux. Si vous souhaitez manger ou louer une chambre, venez me trouver. Uras, le berger, prend vraiment soin de ses moutons. Et qu'est-ce qu'il peut aimer le fromage? À un point difficilement imaginable, en fait. Jetez un œil. Vous ne trouverez pas de meilleur prix dans tout Amriel. Ah, je t'ai fauché en carotte. Au revoir. Au revoir. Oh, le chien de route, il est dans la cave. Mince. Je vais pas attendre trois plombes non plus. C'est idiot. J'aime bien le cadre, c'est sympa. Ça manque un peu de lumière, je trouve.
28 sur 175. Okay. Tout ça pour connaître le secret de la Nirnerut, là. Le végétal mystérieux. Mais il se réveille à quelle heure de la cave, là? Parce qu'il est déjà 7h du mat. Oh. Cinderion, ouais. Oh là là, c'est d'un ennui mortel. Oh, magnifique. Vous n'avez rien à faire ici. Ah. Oh. Intéressant. Qu'est-ce que vous fabriquez ? Alors, vous m'avez apporté quelque chose à examiner ? Oui, c'est un vrai échantillon de Nirnerut, et de très belle qualité. Ça me donne une idée. Puisque vous savez déjà à quoi ressemblent ces racines, vous sentez-vous capable de partir pour une expédition visant à en ramasser ? Bien sûr, à quoi pensez-vous ? Excellent. Mais avant de partir, vous allez devoir en apprendre un peu plus sur la Nirnerut. Sinon... vous risquez de tourner en rond et de ne jamais en trouver. Oui, donc ? Il y a quelques années, un aventurier tel que vous m'a vendu un vieux livre poussiéreux, contenant de nombreuses formules alchimiques. La plupart étaient sans le moindre intérêt. Mais une de ces pages proposait la recette d'une potion appelée l'élixir d'exploration, sorte de breuvage miracle pour les explorateurs de donjons. La formule avait l'air de marcher, mais elle nécessitait un ingrédient d'une grande rareté. Vous l'avez deviné, il s'agit de la Nirnerut. J'ai donc mis ce livre de côté car, très franchement, j'avais tant d'expériences délicates en cours que je n'avais pas le temps de partir à la recherche d'ingrédients. Mais votre présence ici change beaucoup de choses. Donc, l'élixir d'exploration, c'est... L'élixir d'exploration est une potion à usage multiple, qui a dû être fabriqué pour les explorateurs de souterrains à l'origine. Cette formule décrit plusieurs variantes possibles de cette décoction. Si cela vous intéresse, j'ai écrit un bref papier à ce sujet pour le Symposium impérial d'alchimie. Si vous m'apportez 10 pieds de Nirnerut, je préparerai de l'élixir et je vous en donnerai une potion gratuitement. Quant aux autres, je vous ferai une importante réduction dessus, si vous voulez me les acheter. Vous feriez mieux de commencer par le taillis d'ombrefeuille, qui fait partie de la grande forêt du Nord-Est. Bonne chance, et dépêchez-vous de revenir avec plus de Nirnerut. Ok. Bonjour. Poursuivez. Qu'y a-t-il ? Non, t'es pas fâché, c'est bien. Des rumeurs ? Uras, le berger, prend vrai... Ah oui, tu me l'as déjà dit, tu radotes. Bonjour. Ah. Alors, Cinderion, l'alchimiste, recherche la racine Nirnerut, constitue un ingrédient puissant entrant dans la potion spéciale, élixir d'exploration. D'accord.
Ah ouais, au taillis d'ouvrefeuille. Ah, Grèce en juillet quand même. Je pensais m'arrêter là, mais c'est une quête qui est intéressante. Alors mon cheval, mon cheval. Halte ! Vous avez enfreint la loi. Payez l'amende au tribunal ou purgez votre peine. Les biens que vous avez volés vous sont confisqués. Mais... Pourquoi il m'a balancé, là, l'expert en Enroute ? Crotte ? Voici ce qui va se passer. Nous allons aller au château. Là-bas, on vous fouillera et vos marchandises volées seront confisquées. Ensuite, si vous payez votre amende, vous serez libre. Mais j'ai déjà payé l'amende. Waouh, c'est vertigineux. Que voulez-vous ? Oui, l'attaque de la chapelle, vous savez. Le pire est que personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. On a entendu des cris. Et quand ils ont réussi à enfoncer la porte de la chapelle, tout le monde était déjà mort. La guilde des guerriers recrute de nouveau. Ce n'est pas un mauvais moyen de gagner de l'argent, à condition d'avoir suffisamment de cran. Prenez soin de vous. La clé que j'avais chipé à je sais plus qui. C'est pas un souci. Waouh, c'est des petits boules. Waouh. D'ailleurs, je peux peut-être descendre par là, non? Là. Ah, je regrette, j'ai un truc pas lu. C'est où par ici? Rejoindre mon cheval. Ah, je suis en habit noble. Je vais mettre mon armure. Oui, c'est ça, mon cheval était quelque part par là-bas. Oh. Toujours surprendre quand je la dessape. La c'est beau. Je vois rien que les fleurs. C'est vertigineux. Oh là là, je vais me casser la figure moi. Oh. Incroyable, le fleur papier. Oh non. Mon cheval. Ah ouais, j'y vais en grand les portes du... Bah, tu l'as vu aussi, c'est de l'enclos du cheval. Si vous voulez acheter un cheval, vous devez aller voir Ugak. Elle est à l'intérieur. C'est déjà fait. Au revoir. Au revoir. Bon ben. Thank you.
un cimetière. D'accord. Ce sont des sépultures. Je suis arrivé au Tales of Brofeu, je vais pouvoir commencer à rechercher un mur d'eau. C'est bien, il y a un point d'eau, mais de là... Ah oui, je la vois. Effectivement. Ah oui, bien vu. Une potion, c'est ça? Moi, je dois pas être loin, non? 8, ouais, encore 2, c'est bon. Je sais pas où. Oh, je peux faire plein de trucs. Je vais... Oh là là, les grottes, il y en a plein. La mine en ruine. J'irais bien la mine en ruine, moi. Plein sud. Récolter les végétaux. Comment ferais-je de la chimie sans ça, évidemment. Oh là là. Il y a des oiseaux. J'entends des gazouillis. Où sont les oiseaux? Thank you.
mots, c'est beau. Et pardon, le micro était plus droit, donc on n'avait peut-être pas entendu ce que je dis depuis 5 minutes. Si abandonné que ça, ou à un feu de camp. Coucou. Oh non, pas eux. Ouais, on entend dire que mon arme est nulle. La dague en acier est pas beaucoup. Ah! Voilà, après tout, pourquoi pas? Avec ça, je vais enfin faire des dégâts. Après tous ces jours et semaines passés à la portée, votre armure légère est comme une seconde peau. Vous avez appris à vous déplacer avec aisance au combat. En tant qu'apprenti en armure légère, votre équipement s'abîme moins vite au combat. C'est cool, mais c'est surtout que je me suis spécialisé dans l'armure lourde. Donc je vais avoir une pièce qui est en armure légère, mais oh, c'est pas grave. Il aurait pu me tuer. Ah, le merde. Ah, il est dans sa petite pièce de chiotte là. Oh. Ah, il m'a fait peur ce con. Il m'a foutu les jetons. Ah, regain de santé, oui, c'est bien aussi.
va remonter complètement. Ah, joli. Bah d'ailleurs, je vais même en profiter pour faire la vision nocturne là. Oh! Oh, punaise! Quelle vue! Oh la vache! C'est trop space, la vision nocturne. Wow, je vois la vie comme la voyait Michou. Tout en bleu. Oh là là! Oula! Attends, il y a de ces trucs là, je commence à flipper. Ça n'a pas duré longtemps, hein, mais c'était... Ouh. Allez, 23 secondes, c'est un peu court. Ah, je vois quelque chose. Oh, morti pilon de lys. Ça va être brignon. Ça va être brignon. Merde, je porte trop de trucs. Ah. Ça y est, déjà. Bah, je pourrais déjà essayer de faire un... potion. Ah, génial. Oh là là là. Il me parle pas.
potion. Excellent, mon regain de magie. Alors ça, c'est génial. Là, franchement, extra. Je fais mes propres breuvages pour recharger ma magie. Je dis oui. Ça me recharge lentement, ça, je m'en fous que ce soit lent. C'est surtout que ça me recharge bien. Ah non, mais c'est génial. C'est là, ça devient jouissif, là. Là, l'aventure, elle est... trop bien. Trop bien. Bon, allez, je vais me coucher, je suis crevé, mais... je reprendrai demain l'aventure avec grand plaisir. Ça va être un énorme kiff. Ça va être un énorme kiff, bourricot. Allez, à demain pour l'épisode 7. Ouais, hâte d'être à l'épisode 7. Ah, et j'aurais joué 2 heures. Hein. La vidéo fait quasiment 2 heures. Bah, c'est très bien, ça.